Alors, oui, me revoilà pour Pokémon Y. Alors non, je n'ai pas oublié cette série. C'est bel et bien Raphios. Je ne suis pas en disposition de continuer cette série en ce moment. Alors là, on va faire l'épisode 4. Pour vous dire juste en détail, j'avais éteint ma console avant de sauvegarder. Alors, c'est pas exactement pareil qu'avant. Vous allez voir que c'est un peu différent. Là, les deux Pokémon sont niveau 13 et j'ai gagné du premier coup. Voilà, la championne. Alors, on va y aller. J'ai pris exactement les mêmes Pokémon. Enfin, je pense que les équipes c'est pas les mêmes, mais bon, on a littéralement rien à faire. Je pense qu'il y aura quelques bugs vu que je suis en train de tester de nouveaux trucs, niveau son et niveau vidéo. Mais bon, moi je regarde mon console. Mais c'est le boss, je coule les robes. Tu as réussi à battre Violette. Je crois que tu tiens le coup, t'es pas un gamin comme les autres, toi. Et avec tout ça, je ne me suis pas présenté. Je suis Alexia. Oui, c'est bel et bien Alexia, journaliste Violette. Elle vient d'augmenter mon son, alors vous allez avoir un truc bizarre. Je suis Alexia, journaliste Violette, que tu as battu, et ma petite soeur. Je pense que tu mérites quelque chose de ma part aussi, pour le temps que tu m'as accordé. Multi-XP. Je me souviens du jeu comme ma poche. Quand j'y pense à ce jeu, j'y joue beaucoup plus du Pokémon Ultra Soleil. Je l'ai acheté à la sortie, je ne l'ai même pas fini. Quand on y pense, voilà. Je n'ai pas envie de dire ça, c'est littéralement la flemme. Voilà. Alors, on va continuer son chemin. C'est hyper cool d'avoir les rollers par contre. On les combat parce qu'on est très gentil. Un combat là, depuis 8 ans, j'attendais que ça. En recul niveau 10, je vais prendre cher. Écume. Les écumes sont très mal aujourd'hui. Nous sommes en 2018. Alors voilà. Pour vous dire en détail, quand j'ai tourné la vidéo, on est actuellement le 25 mars 2018. Pourquoi venir? Je sais pas quand ça va se plier, alors tout va bien de savoir. Continue. Bon, elle a gagné, c'est trop cool. Je dois être cinglé, je crois. Bon, on va combattre notre ami. Ouais, elle veut faire des combats de Pokémon tout en faisant un roller. C'est même pas ce prénom. Il en a un passe-couche. Aussi, il risque d'avoir un moment gênant parce que j'ai rien prévu au niveau évolution de Pokémon. Donc, s'il évolue, il va préférer un moment gênant et je change. Je pense. Voilà. Juste comme ça. J'ai rien prévu, c'est les débuts avec les captures. Même si maintenant, ça fait quand même un petit moment que j'ai. Faut faire quand même attention. Surtout qu'elle a coûté plusieurs reins cette console. 4 reins et 1 fois. C'est ce qu'elle a coûté. Bon, continuons, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pour cette équipe. Nous allons essayer de rusher. Du verbe rusher. C'est bizarre. Bon, donc on va rusher. Il veut apprendre, je sais pas à quoi, une tête qu'on va bien sûr apprendre. Il va apprendre de vivre à quoi à la place de Grassface, parce que Grassface c'est quand même une attaque nulle. Vive attaque c'est aussi même pas vive attaque mieux, ça attaque plus vite. Alors on y va. Grenouille c'est monté niveau 14, c'est marrant, plutôt bien. J'ai pas envie de combattre. Mais un petit point.
Ah oui, par contre, je vais pas. Ils sont moches, ils ont des grosses têtes dans ce jeu-là. Hein. Ah, tu n'as pas encore rencontré de Pokémon de cette espèce, c'est Flavipé. Ouais, Flavipé est un Pokémon de type V. Le type V est le résultat d'une toute nouvelle classification de Pokémon. Cela signifie qu'il va avoir. Il va falloir revoir toutes les affinités de type sérieusement. Et le professeur nous a donc confié une mission, faire combattre des Pokémon de type V contre des Pokémon de tous les autres types. En fait, je me présente Tosina, un prénom si charmant que mon minois. Je suis Dexio. Il y a 2 ans, le professeur Platane nous a confié un Pokédex. Nous ne sommes dévanciers que le plus. Ouais. Si tu le veux bien, nous allons faire la visite du laboratoire. J'ai pas le choix, bien sûr, sinon ils vont m'obliger à le faire. Alors, j'y vais. Là, je crois que c'est là qu'on va avoir Carapuce. Enfin, on va avoir le choix entre le bizarre Carapuce et la mèche. Bien avec Renus, ouais, ok. Étant donné que j'ai Renus et que je vais avoir un type feu après, on va prendre le bizarre parce que, ouais, bah, vous pouvez comprendre, si j'ai pas de type plante, donc si je tombe face à un type sol, c'est quand même l'argent, juste haut. Bon, et eh bien je pars devant et tu t'attends à la boue. Tu trouveras le laboratoire en le suivant. Fais-moi confiance. Que de souvenirs. C'est vrai. Ce jeu me rappelle des trucs. J'ai adoré. Là, le taxi, je crois pas qu'il fonctionne. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste à 2 mètres. Ouais, le coiffeur, c'est pas maintenant. Ouais. Je vais quand même faire un tour chez coiffeur dès que j'aurai. Tu as dû faire un sacré bout de chemin depuis Bourg Croquis. Ça m'a pris 60 minutes. Attention. Ça fut très très long. À quel étage je décide de me rendre? Je crois qu'il est étage 2. Ou sinon, c'est là. Ouais, c'est bon, j'ai raison. Parfait, nous le rencontrons enfin. Ah, la musique, elle est bien. Parfait, par ici, je te prie. Là, par exemple, je crois que ça a bugué niveau son. Mais bon, c'est pas grave. Merci encore d'avoir fait tout ce chemin depuis le bout du monde de Bourg-Croquis. Appelle-moi, personne. Alors, comment trouves-tu les Pokémon? Tu as rencontré beaucoup. Pas de quelque chose entre nous, laisse-moi regarder ton Pokédex. Intéressant, tu as 25 espèces de Pokémon dans le centre de Galos. Et bien, ça commence à se remplir doucement. Continue comme ça. Oh, je sens que tu as fait tout ce qu'il faut pour réussir. Mon intuition, je ne me trompe jamais. Je ne suis pas professeur pour rien. Au début, je pensais confier un Pokémon à un enfant de chaque ville de Galos. Pour Boris, tu devais être la fille d'un vénérable de ma connaissance. Et puis, j'apprends que Primula, le fameux jockey de l'Ignocorne, emménage avec son fils. Ok, ma mère s'appelle Primula. Primula, je ne savais pas. Le hasard est souvent à l'origine des plus grandes découvertes. Et quelle occasion. Quelqu'un qui ne connaît absolument pas Kalos. Professeur, c'est moi ça. Ouais, donc je ne dis plus les symboles, parce qu'on m'a fait plusieurs remarques à propos de ça. Donc niveau symboles, j'arrête de les dire. Je suis désolé pour mon retard. Ah, parfait, puisque vous êtes là, nous allons pouvoir faire un combat. Je suis retour adversaire. Ok. Moi je pars, moi je rigole. Ok, donc il est très mauvais, donc ainsi dit. Il a juste trois starters de la première génération. Oh, bah, le bizarre, c'est celui que je vais prendre. Même si je crois que c'est le plus nul des trois. Ouais, du coup il est pique, mon chenipan.
l'envoi charme. Il est débile en vrai. Ah ouais, on a fait pic, ça fait très très mal. Avec soleil là, on nous a un peu gaugé le truc parce qu'on nous dit avec quel type en cher. On nous dit directement les dégâts ça fait tout le temps. C'est pété. Il est pété soleil. En fait le jeu il est quand même beaucoup plus beau. Mais là c'était beau, c'est le futur. Enfin, c'est le futur du passé. C'est la 3D, franchement, vous imaginez pas. Et voilà, je vous dis. Fontan. Carapuce. Tabou. Non. Taboulé. Ouais, par exemple, là pour les typos, j'ai rien. On va voir si on tue les. Ah non, c'est chiant ça. Il y avait besoin. Ceci, toi, je ne prends. S'il te plaît. Là, tu vas prendre cher. Clochard. Genre, je ne sais même pas, on a laissé à faire avec ça. Carapuce électronique. Aussi j'ai perdu la pub dans la description pour un serveur Minecraft qui a ouvert il n'y a pas longtemps. C'est celui de Kineas, un youtubeur avec qui j'ai fait une ou deux vidéos. Le lien, enfin l'IP sera dans la description. Pour vous informer, je joue tout le temps la parole du jeu. Donc si vous voulez me voir, c'est ma parole. Moi je sais pas si c'est si les serveurs sont reliés. Je sais rien, vraiment rien. Bah c'est tout. Sinon là on va peut-être réussir le premier coup. Ah, je sais rien. En tout cas j'ai pris très cher. Je crois que j'ai des potions. Ah j'ai des potions. Non, je crois que c'est une chose. Un petit quoi. Ah bah oui, ça fait quand même beaucoup plus mal. Ah, il laisse ma défense. Après, franchement, on va passer à la machine. Mais là, je serais bien d'avoir la meilleure évolution, on est quand même un peu nul. Je préfère celle de l'excès de beaucoup plus stylé. Tout le monde peut l'avouer. Sauf certains qui préfèrent Y. Mais bon. Donc ça contredit absolument un hasard. C'est pas mal. On aura fait tout dans cette vidéo. Bon, on aura fait plusieurs combats, on aura un peu avancé. Et on sera peut-être arrivé à la prochaine arène. Mais c'est vrai que c'est un moment. C'est vrai que la deuxième arène c'est loin en fait. Je trouve qu'il a une tête de photographe, mon perso. Je sais pas pourquoi. Bon, mon esprit d'analyse a saisi des grandes lignes. Saisi des grandes lignes de quoi? Réfios, tu es un dresseur qui sort de l'ordinaire. Crois en mon intuition. Et j'ai l'idée qu'un Pokémon de plus te ferait pas mal de choses. Je dis si tu veux. Alors, on a dit des bizarres. C'est le Pokémon que j'ai testé le plus des droits. Mais il est de type plant, donc ça m'arrange. Alors, c'est encore un truc où j'ai pas d'idée. Alors, on va appeler le bazar. Parce que je fais des jeux mots de type qualitatif. Il y a trop de types dans ce jeu. J'en rajoute même déjà. Bon bref, Bulle Bazar. Qui a une chouris arite. Il ne pourra pas évoluer avant un moment. Ouais.
Parfait, j'ai l'intuition que tout le finitif sera bientôt grand complet. Bah les voilà les trois. Prof, oh tout le monde est déjà présent. Ça m'en a tout l'air. Parfait, mon intuition ne compte pas. Et maintenant que tout le monde est là, je souhaiterais vous dire quelque chose. Je souhaite que vous deveniez des dresseurs d'exception. Que vous profitiez de votre voyage avec les Pokémon. Et puis surtout, que vous m'aidiez à résoudre le plus grand mystère de l'heure. Le secret d'une nouvelle forme d'évolution. J'ai nommé la méga évolution. La méga gemme donnée plus tôt, elle devrait constituer un malentice. La méga évolution et le Pokédex sont tous là. Trouve à toi mon petit, si compléter le Pokédex et ta définition de meilleur dresseur possible, je t'en prie ne tienne pas. Moi j'ai entendu méga et je sais que ça va me plaire. Note de musique? Non, on va arrêter. Si vous voulez en savoir plus sur la méga évolution, je vous conseille de faire un tour à Fort Vanitas. C'est une ville pleine d'histoires, vous y trouverez sûrement des indices. Et toute votre ascension, pour remplir le Pokédex, il faut visiter le plus de lieux possible et donc rencontrer des gens. Qui pensent différemment ou des Pokémon à l'écologie inhabituelle. Si quelque chose vous choque au premier abord, ne le rejetez pas. Réfléchissez-y et vous verrez que vos horizons s'élargiront naturellement. Être différent, je sens que cela est qui fait tout à l'heure. C'est pour cela que la méga évolution m'intéresse à moi. Alors au revoir, j'en ai marre de vous, j'en ai marre de lire. Je déteste ça, lire, je fais ça pour vous. Après vous me dites si vous voulez que je sois devant. Soit je saute tout, c'est vous qui me le dites. Oh, Lisandre. Alors, je vais enfin avoir le plaisir de vous revoir parfaitement. Les enfants choisis que disent élus par le professeur, quel potentiel recèle donc ces brillants jeunes gens. En voici un, je vous présente Réfios, Paris. Refois. Voyez-vous cela, le professeur t'a donc confié un Pokédex. Voilà qui me réjouit. Tu ne peux imaginer la joie que me procure ta rencontre, jeune prodige. Je me nomme Lisandre. Afin d'assurer un meilleur avenir à ce monde, j'ai poussé mon étude des Pokémon aussi loin que je le pouvais. Sous la bienveillance très férule du professeur. Ouais, que vois-je? Ne serait-ce pas là un nouveau kit? L'information, c'est le pouvoir. Souviens-toi bien de cette maxime et mets-la à profit. Le monde ne devrait pas être meilleur, il se doit de devenir meilleur. Et donc, la réalisation de cette grande cause, les élus humains et Pokémon doivent travailler ensemble sans relâche. Veuillez m'excuser, le devoir m'appelle. Vous transmettrez mes plus chaleureuses salutations au professeur. J'ai soif d'un nouveau monde, d'un monde plus beau. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce monde plus beau dont il n'a pas de parler? Quel océan vaste et on y trouve plein de Pokémon différents. J'espère que le Pokédex se permettra d'en apprendre plus sur eux. Ok, alors je pense qu'on va arriver à Fort Vanitas et on va arrêter la vidéo. Par contre, je ne partirai jamais de son endroit et ça m'énerve. Grand maître, il y a un endroit que j'ai envie d'inspecter. On se retrouve plus tard, d'accord? Cher voisin, j'aimerais te parler de quelque chose. Pouvons-nous nous retrouver au Café Soleil? Je me demande bien ce dont Serena veut parler. Elle ne pouvait pas simplement passer par le kit. Tout le monde a le droit d'avoir ses secrets, non? Bien sûr que je voudrais savoir ce que c'est, mais je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Grand maître, pour aller à Vanitas, il suffit de prendre à gauche en sortant du labo. Si tu veux passer par le Café Soleil pour tes trucs secrets, c'est sur le même chemin. Clin d'œil. Ok, donc l'autre fait des clins d'œil. C'est quand même bizarre. Imaginez en vrai. Illumis est absolument gigantesque, mais en restant sur les grands boulevards, on ne risque pas de se perdre. Bon bah, je vais aller me promener avec des tours et des tours, je vais peut-être avoir de l'inspire. Ouais, Fort Vanitas, c'est Café Soleil, ils sont tous les deux par ici. Ok, merci. Pas mal. Bah, le coiffeur, on va aller au coiffeur. On va se refaire une coupe là. Une coupe et une coloration. Je suis même pas assez riche pour. On va faire une coupe. Alors, j'ai qu'une chance, sinon c'est moche.
Mais non. Ah. Donc là, je viens de casser mon argent. Pas mal. Waouh. Ça a absolument rien changé. Je viens juste de casser plein d'argent. Merci beaucoup. Au revoir. Mais tu m'as rien fait. Tu n'as absolument aucun sens. Ouais, bah ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, il y a des soleils. On va finir ici. Est-ce que tu aurais un instant? J'ai pas le choix d'avoir cet instant. Et là, je crois qu'on va voir le maître de la ligue ici. D'accord. Mes souvenirs sont bons. On dirait mieux se disant, mais qui est avec lui? Jantea, c'est l'occasion parfaite de ta culture alors. Monsieur Lisande est un génie à la tête des laboratoires Lisande, des procureurs de l'eau liquide et un appareil de communication vidéo. Jantea, tu dois le reconnaître, c'est l'une des actrices des populaires au monde. Je me demande bien ce qu'ils peuvent avoir à se dire. Votre premier rôle à l'écran m'a toujours fasciné. Cette toute jeune fille si pure, fraîche et innocente. Que ne donneriez-vous pas pour jouer ce genre de rôle et encore? Mais je ne donnerai rien, quelle étrange question. Jeunesse n'est pas forcément synonyme de beauté, tout change tout. Et j'ai hâte de découvrir des nouveaux rôles qui te présenteront alors que mon âge avance. Ma chère, vous fourvoyez. Et votre responsabilité, vous devez être toujours belle en tant qu'actrice. Si j'en avais le pouvoir, je distinguais, désintégrer de ce monde en un instant pour que la beauté soit inaltérée, éternelle. La décrépitude et la déchéance me sont insupportables. C'était la galère dans cette phrase. Bon, on met un vent, vous mettez pause si vous voulez lire, j'en ai marre. Là, je sais que ça va durer 10 ans, si vous voulez que j'avance un peu dans la vidéo. Voilà. Parce que sinon, on va avoir rien fait de la vidéo et ça va être quand même un peu nul. Alors, là, du coup, on va me demander d'aller à Forêt Nivas. J'ai vu le maître de la ligue pour la première fois, je vais voir seulement après que ça l'est. Normalement. Le vélo, je sais pas maintenant. Ouais, bien sûr, il y a un vélo. Je sais même plus s'il y a un vélo dans le jeu. Ouais, faut organiser ça, c'est là-bas. Ah, super message dans le kit. Alors ça c'est stylé parce qu'on peut bouger. Ouais, ça c'est le style. Et il est sur la route 5. Ok. Par contre j'ai absolument pas guéri un Pokémon. Alors on va y aller. Dès que j'aurai fait le combat avec Tierno, oui je prédis l'avenir, on va arrêter la vidéo. Juste guérir les Pokémon. Ne dites pas que je suis triste quand je pars, c'est juste que je m'ennuie. Non, c'est faux, je m'amuse totalement. Mais bon, je sais juste pas quoi dire. Alors, on va donc aller là-bas. J'ai zéro ami. C'est super. Peut-être qu'un jour je ferai un live où je combattrai des gens. Là, j'en ai pas besoin. J'arrive à me perdre alors que je suis que deux jeux. Hein. C'est incroyable. Oh, ça y est, bof. Oh. Il va me donner les joueurs. J'en ai marre des joueurs. En plus, c'est nul, je m'en sers jamais. Je fais également un jour une vidéo là, avec les jeux qui ont été créés. Lucario. Désolé, j'entraîne les deux Lucario ensemble et je sais pas ce qui est passé par la tête de celui-là. Lucario, qu'est-ce qu'il prend? C'est à cause de son tesseur et j'ai... Ah, c'est ça. J'ai l'impression que tu es en écoute avec Lucario. Bon, merci. Lucario est un Pokémon qui peut avoir l'aura des gens. Enfin, il peut voir l'aura des gens. Il s'imagine que quelqu'un le peut bien. Il est toujours à se tirer la bourre avec mon autre Lucario. Peut-être qu'il attendait juste de voir apparaître un bon dresseur comme toi.
J'ai oublié de me présenter, pardon, je suis la championne de l'an 13, Cornelia. T'as l'air d'être du genre à collectionner les badges, alors mes pétins me disent qu'on va se revoir à un moment ou un autre. Je suis sûr que ça passerait comme sur ta boulette. Ouais, et sous Lucario va donc rejoindre mon équipe. C'est un spoil, mais tout le monde est déjà joué à jeu. Alors donc c'est pas vraiment un spoil. Ouais, alors on va y aller. Je n'ai pas. Alors, on va dire, il va nous faire un peu de plus. Et le pan, il va faire. Ah, ça va être chiant. Il est pas grand-chose. Et ça, c'est le problème. Un vol, il va prendre cher. En fait, là, les deux, ils aiment pas le type. Il y avait pas un lésion, non? Ah non, c'est une bizarre qui parle les autres. Mais c'est peut-être un bon moment. Ça fait bien, c'est pas mal. C'est bien, c'est crap. Là, et on voit le enregistrement, ça va faire baisser leur attaque, mais c'est marrant. Ça va prendre 50 ans. Donc on va refaire le enregistrement pour le sang, pas un sang. Je vais faire juste un PV comme attaque. C'est pas mal. Ça va faire un pégan sur l'autre. S'il y a besoin d'une méthode de stratégie pour combattre deux IA, incroyable. On a des points parce que deux PV. C'est pas mal. Là du coup il va être guéri totalement. Il y a un peu de près. Il va se passer là. Alors, du coup. Ah là ça va être chiant. Ah ouais. Là c'est tout de moins. Une des pires attaques du jeu. Je rigole. Bon. Coup de main peut être bien. Peut-être, j'espère. Mais il faut forcément mourir le Vorpigan un jour. Oh mais merde. L'autre il faut faire que c'est dommage. Ah, il est mort. Ouais, mais tu veux 11 d'un coup. C'est presque niveau 2. Oh, on n'évolue pas, sinon je vais devoir faire quelque chose pour moi. Bon, non, je rigole. Il évoluera. Et voilà. Oui, je sais pas, il va pas être de mort. Oh, c'est chiant. Voilà, victoire. Au revoir. Alors, là, la vidéo fait presque 3 minutes, je crois. Alors, on va se laisser là. À une prochaine fois, j'espère. Une future vidéo sortira bientôt. À la prochaine.
Mes amis, on va se laisser sur cette évolution de Grelousse. Et peut-être de l'évolution de Chenotan. D'ailleurs, j'ai même pas ajouté du bizarre dans les Pokémon de la gauche. Je verrai dans le prochain épisode, il sera ajouté. Ne vous inquiétez pas. J'y penserai. Bon, ça évolue. Et c'est tout, mais c'est déjà bien. Alors, vas-y, c'est là, David. On se retrouve pour une autre vidéo. À la prochaine. Bye.